Makamuni yozeleka entre pasteur Moïse Mbie et pasteur Grace Coutinho. Batu bakomo sale la bango ba vidéo ya ndenge na ndenge. En tout cas, franchement, nous allons tous découvrir ici. Vous voyez déjà maman Emi Coutinho, elle est là. Est-ce qu'akondi mama Kambu? Oh, est-ce que bon, en attendant, la sœur pasteur Grace Coutinho, elle est déjà au salon en train de se faire belle. Qu'est-ce que ça? Nous allons tous découvrir dans cette vidéo. Pardon, ne pars pas. Ne sois pas pressé. Sinon, prends déjà ta tasse de thé. Prends déjà le verre d'eau. Mets de côté. Nous allons tous consommer ce qui est bon. Oui, ce qui sépare, c'est ici qu'on éclaircit. Oui, c'est sur cette chaîne qu'on donne la vraie version. Oui, c'est ici, pas ailleurs. Olingi ba information ya bien a wande makambo. Olingi ba vraie version parce que au monique ba okosa kosabino mingi. A wande makambo. Yaya. Est-ce qu'ils sont-ils en couple? Nous allons le découvrir maintenant, pardon. Ici, là, nous parlons des choses des grands. Quand j'entre dans cette zone-là, c'est la zone des grandes personnes, pas des bébés. Si tu es bébé, commence déjà à te désabonner, pardon. De toutes les façons, YouTube n'accepte pas les bébés. On va te mettre en mode muet. Twende! On y va d'abord avec cette publicité et nous allons revenir pour en parler. Parce que là... Non, c'est chaud. On doit connaître la vérité. Et la vérité, c'est ici chez Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. C'est-à-dire, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à vraiment à bien soutenir Mama Kimia en regardant les publicités. C'est quelque chose de bien. Que mon Dieu vous bénisse. Merci de partager sur vos statuts WhatsApp, là où vous voulez, comme vous le sentez. Que mon Dieu vous comble de sa grâce. On y va. Yaka, olati sapato, olati ceinture nango, olati sapato, olati ceinture, olati na montre, o ezo kene nango, mongo na okaka, poche na okaka, alors likolo nango batye le numéro ezawana, essaye d'appeler, essaye de nous contacter, essaye de passer, de faire un petit tour sur l'adresse qui est juste sur l'affiche. Yaya, yom to vandi na Europe, ozo tepa, pourtant moka na yo, ezo salaba sapato ya kitoko, pourquoi pas ko tia moi pression, pourquoi pas ko tia moi main à la pâte, nenge balo. Non, la qualité est là. Le goût est là. L'icolo Nango Balobi, entreprise La Passion, c'est le partenaire qui vous convient. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de services. Nous avons le service d'aménagement en aluminium. C'est-à-dire, nous disposons d'un atelier de fabrication pour aluminium. Voilà. Et nous avons encore le service de travaux publics et génie civil. C'est-à-dire, nous sommes actifs dans le domaine du génie civil et travaux publics. N'est-ce pas que ça déjà? Non, le goût est là. Non, entreprise La Passion, Yangonde Makambo. Nous ne sommes pas limités que sur les deux services. Nous avons encore le service de formation et certificat international. Yaya, nous vous formons impeccablement et notre certificat est crédible. Alors Yaya Ko Umelate, nous avons aussi le service de conception, suivi et évaluation des projets. C'est-à-dire que nous garantissons le bon déroulement de vos projets et transformons vos idées. Yaya Bosiko, yo ke no luka ba consultant Libanda. Yaya, osa un problème na biso. Ya kambangu toko sepelisao. Voilà, moi na mboka sele bino biloka kitoko. Pourquoi ne pas aller soutenir? Pourquoi ne pas passer vos commandes made in Congo. Voilà, kitoko makasi. Alors les amis, mes bayanga sûr, j'espère que vous avez pris une bonne position parce que là nous allons discuter comme des grandes personnes. Oui, ça déjà, de ce côté-là c'est chaud. Ça chauffe donc je me suis dit non. Mama Kimia kokyo tsiron kabo, et photo ya to solo là. Poku na bo ke ne bo solo, mais ngape fona ya to solo na bino, na pesa bino vraie version, na pesa bino vraie information, c'est ici. Beaucoup de gens se demandent est-ce que pasteur Moïse Mbie et pasteur Grace Coutinho, ils sont en couple. Pourquoi tant de questions?
pourquoi tant de rumeurs? Pourquoi tant d'affirmations? Parce qu'il y a des gens même qui vraiment affirment, vraiment, besoin d'affirmer. Le quoi là-bas qui n'a participé à Kinzonzi. Est-ce que la présence du pasteur Moïse Mbille à l'armée de Victoire, c'est ce qui prouve qu'ils sont réellement en couple? Est-ce qu'il y a des gens même dans les commentaires qui posent des questions? Mais comment est-ce que pasteur Grâce à moi, Namouké, ma Kassiboé, par rapport à pasteur Moïse Mbille, Bakindeko Balana? On a télémis dans le lobby. Ah Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire des investigations. J'ai commencé à chercher, à voir, à regarder à gauche, à droite, à chercher dans la profondeur du profondement. Je suis allé tomber sur cette affiche que vous avez vue là. Donc ça dit que ça s'est passé à l'armée de Victoire. Oui, une grande célébration. Donc le pasteur Moïse était invité là-bas. Le pasteur Moïse Mbille était invité là-bas pour cette grande célébration. Il devait chanter. Et tout le monde était en mode waouh. Je vais vous laisser quand même quelques vidéos et je vais revenir. Parce que bisotolinga koloba n'a pas preuve à l'appui. Pour ça la tête que mama Kimi a mutoya ki nango mama Kimi. Bisotozo tozo yaka ko éclaircir. Je viens juste éclaircir. Peut-être que vous allez comprendre ma kamsous. Mais ici là, on vous donne des vraies versions. Pour awa l'oukoute les kate. Et on y va et on va revenir. Très élogieux. Très élogieux. Et aujourd'hui, nous sommes bénis de l'avoir ici dans l'armée de Victoire. Il a plusieurs casquettes. Il est pasteur. Musicien. Il fait partie de nos plus belles voix masculines de la RDC. Il est écrivain. Donc c'est vraiment une bénédiction. Lorsqu'on entend des Yeswazali Awa, on pense à lui. Il y a tellement de chansons. Je disais à maman dans la voiture, il faut que tu apprennes toutes ces chansons-là. Lorsqu'on entend Nabimi Molongi, on pense à lui. Lorsqu'on entend au mérité, on pense à lui. Et aujourd'hui, Dieu l'a pris de loin pour venir nous bénir ici dans le Pasteur Moïse Mbille. Pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce que l'église de Dieu peut faire un tonnerre d'applaudissements? Fais-le encore bien. Voilà, ma camarade Yangoyo et Yambelio Yangonde Memisi, pasteur Grâce Coutinho, ma camarade, pasteur Moïse Mbille. Yaka na yo, libre, allez. Anini bakocho songisa na mocha bongi sibina yo. Anini bakopesa na mocha longoli yo na mawe. Kite. Libere. Anini bakocho songisa na mocha bongi sibina yo. Bomba kayona ekenge loko ya motu ya
Pasteur Moïse Mie, toi, moi, le président de célibataire, tu es maintenant en couple. Mais tu n'as même pas eu le temps de convoquer une réunion pour l'annoncer aux membres de l'FC Célibat. Ah, les amis, c'est chaud. Askip, j'ai bien dit Askip, je ne confirme rien. Selon les rumeurs, le pasteur Moïse Mie sera en couple avec la sœur Grace Coutinho. Les amis, franchement, si cette nouvelle est vraie, je suis pour ça. Moïse Mie est un pasteur qui a la grâce de Dieu. Avec la sœur Grace, ça sera un beau couple. J'ai hâte de le voir ensemble, surtout si c'est la volonté de Dieu. Les amis, je montre des commentaires qui m'ont vraiment fait marrer. Bah, commentaire à vous, bah quoi. Ces gars, il a écrit pourquoi saluer les oins de Dieu comme ça. Pasteur Grace, c'est notre pasteur. Et pasteur Moïse Mbie, c'est son grand frère. Comment vous pouvez imaginer? Bonne distraction, boy. Moïse Mbie est son grand frère. Na maman ni la papa ni. Pourquoi vous aimez trop dramatiser les choses? Ils peuvent se mettre en couple, tout comme non. Ils n'ont pas les liens de sang que je sache. Cette go, elle a écrit grâce à Zamon Amke Maka. Je crois pas que pasteur Moïse Mbie, Kakanenga Mimi, grâce de loi commissaire. Moi, si, c'est que Isaac Indoki. Désolé, ma sœur, mais la moine le roi au au lingaté. Toi, tu blagues avec la force de l'amour. Hein. Demande à ceux qui sont tombés, ils te diront. Dans l'amour, il n'y a pas de grands ni de petits. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Hein. Là, le pasteur déjà Moïse Mbie a fini avec sa prestation. Et là, il est en train de sortir pour rentrer. J'espère que vous avez entendu ce garçon. Il est TikToker, ce qu'il a dit. Donc, pour vous dire que. Quand il y a quelque chose, chacun de nous interprète les choses selon y est. Donc moi, je viens juste pour vous dire que c'était juste la grande célébration à l'armée de victoire. Et le pasteur Moïse Mbie était invité pour prester, pour chanter. Donc voilà, nous connaissons tous que le pasteur Moïse Mbie, c'est un pasteur, il est chanteur de l'Éternel et tout ça là. Et voilà, c'est pas la première fois qu'il se rend dans une église pour aller chanter. C'est pas la première fois qu'il organise des concerts ou quoi que ce soit. Bref, pour moi, il est allé juste chanter, il est allé faire sa part. Mais ce n'est pas parce que Bayambi et Napodium, Bapessi et Bisou et pas la sœur pasteur Grace, Yawana Toroko, Matobandako, Panza, Mokili, Mobimba, que non, le pasteur Moïse Mbie était en couple avec le pasteur Grace Coutinho. Les amis, à un moment, il faut arrêter un peu vos bêtises. Il faut arrêter un peu tout le temps salir les hommes de Dieu. Arrêter un peu tout le temps à chercher à parler tout autour. Il y a ma cambozo les cas. La bassine Nzambe toujours chercher à dramatiser et tout et tout. Nous ici on ne dramatise pas. Nous ici on ne vient pas. C'est pas moi qui est venu avec cette information. Ça a déjà commencé à parler hier. Je ne sais pas si c'est une semaine. Ouais, mais moi je vous ai rapporté aujourd'hui parce que ça continue. Les gens continuent à faire des collages et tout, des duos, des vidéos. Il y a des lives sur TikTok, mais pas possible. Les amis, pardon. Hein? Sœur Grace, oui, toi-même le TikTok, tu as dit que Pasteur Grace Amoni, Pasteur Moïse Amoni, Pasteur Grace Coco là. Il a vu grandir Pasteur Grace. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que Akoki Ozoya en mariage? Mais bon, après, ceux qui ont en mariage, ceux qui décalage, ils ont un mingité. Moi, ça me regarde en quoi? Les jours, tout le monde a que Baba Lingani, ils se sont mariés et tout, ils se marient. Bref, moi, je viendrai aussi avec ma vidéo. Je viendrai faire les milolo, milolo. Yelelelelele. Nzama Pambolabino. Et car il y a âge, moi ça ne me concerne pas. Soit bah tu m'y balais bah lingani, ouais bah lingani, ouais bah lingani, t'es yaya. Biso toi à quoi tu as ma vidéo, yé lélélé bah balani. Ceux qui est sale, ceux qui boue, oh nanani nanana, on viendra encore en parler. Donc moi sur ce point là, bah lingana, azala moi la mouké, azala moukolo, nga etalingati. Mais moi mon problème c'est juste que arrêter de répandre ma rumeur mon robot du moment où les personnes eux-mêmes les concernées bah écoyer bisabino te ils sont pas venus bah écoyer l'axabino photo moroté que ouais nous étions en couple et tout franchement je pense qu'il faut arrêter laisser les gens bas à la focaliser na makam na ba on na ba ministère na bango basa ilanza menandenge bazo kindele. Alors, c'était ça, voilà. Vous-même, vous savez, ici, c'est la vérité, l'Ukuta et les karatés. Alors, si vous voulez toujours continuer la même allure, Yako Yoka, toujours ma vérité, ma vraie version, c'est ici que vous devez vous accrocher, c'est ici que vous devez vous abonner, c'est ici que vous devez faire les partages, les likes et tout et tout. Arrêtez de partager des fausses informations, s'il vous plaît. Arrêtez.
parce que ma information l'ukuta on est au détruit ma vie à battu. Ma information l'ukuta on a ça détruit des personnalités à battu, des dignités à battu. Si nous pouvons arrêter et partageons des vraies informations. Voilà, prenez maintenant ma vidéo, mettez sur votre statut WhatsApp, mettez sur vos stories, sur vos pages Facebook. Voilà la vérité, il est allé juste prester à l'église armée de victoire chez les pasteurs Coutinho Fernando. Que Dieu vous bénisse, c'était votre maman Kimia Sarah, la queen de la SAP. Alors je vous laisse avec cette image et on se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Bye bye. Bon mois d'octobre les amis, que le Seigneur vous bénisse. Qu'en ce nouveau mois, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu réponde favorablement à quelqu'un pendant ce mois d'octobre. Soyez confiants que l'Éternel est avec vous et que ce mois d'octobre sera particulier. Que Dieu vous bénisse et excellent mois d'octobre. À quelqu'un, maintenant lève-toi. Ne reste pas dans ces échecs-là. Ne reste pas dans ces mauvais souvenirs. Ne reste pas dans ce qu'il t'a fait pleurer. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, maintenant lève-toi. C'est pourquoi le thème de ce grand enseignement final, c'est une recommandation que Dieu fait à quelqu'un. Sois fort et courageux. Ne reste pas sur ce qui s'est passé hier. Ne reste pas sur les combats qu'il y a eu hier. Ne reste pas sur les accusations qu'il y a eu hier. Mais ce qui est en train de venir demain est beaucoup plus grand que les batailles que tu as passées hier. Ce qui est en train d'arriver dans ta porte demain est beaucoup plus puissant que ce que tu vis. J'imagine pas la douleur que David avait en fuyant Saoul. Mais David continue à le fuir. Parce qu'il y aura un jour où toi aussi tu écriras ton histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des jours où nous pleurons, des jours où les combats sont là, mais des jours où Dieu décide de changer l'histoire de quelqu'un. Josué ne s'y attendait pas que un si grand mentor dans sa vie pouvait tomber un jour. Mais comme Dieu a dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saoul? Je l'ai déjà rejeté. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette saison dans laquelle Dieu est en train de t'emmener, ne reste pas sur tes pleurs. Pendant que Samuel était en train de pleurer, Dieu avait déjà emmené une solution qui était David. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière tes combats, derrière tes problèmes, derrière tes situations, il y a une solution que Dieu est en train de tenir entre ses mains. Je ne sais pas à qui je le dis. Ha ha!